tu fais face aux tout petits qui sont en train de faire l'assentiment des supporters venus très nombreux aujourd'hui, qui adhèrent avec le système de jeu, de sport, académie à qui nous tirons déjà un coup de chapeau pour la qualité du ballon. Et surtout en ce moment où mon camarade de classe vient de fourrer le sol de cette pelouse du stade municipal de Maga, je dis bonsoir au président de Maga Diaspora qui est avec nous, qui m'a soufflé tout à l'heure que le joueur qui va inscrire le premier plus, ça fait 7 000. Le deuxième plus, ça fait 10 000. Le troisième plus, ça fait 15 000. On dit merci déjà au président pour cet encouragement. Je voulais apporter ici les éclaircies. Pour ce moment, à la réserve de Washington, face à son maintien, déjà, nous voulons rappeler déjà aussi les responsables de Washington aussi, au stade, qu'ils comprennent que déjà, le comité d'organisation qui s'est réuni ce matin à mon bureau, nous avons statué, malgré plusieurs griefs. Premièrement, nous avons constaté que Washington qui se plaignait, qui a introduit une réserve sur le fait que qu'il y ait un joueur qui a été sanctionné et qui s'est retrouvé sur le terrain de jeu. Ceci, déjà, la requête a été irrecevable sur la forme. Je dis bien d'abord sur la forme parce que lorsqu'on introduit une requête, ça s'accompagne avec les frais de procédure qui voulaient que la commission puisse siéger. Donc, sur la forme, la requête a été irrecevable. Mais nous avons essayé de réfléchir. Et dans la réflexion, il ressort que Roche qui se plaint du fait que Riga est affiché, Estap est affiché, un joueur, Roche aussi était dans les dispositions où nous avons le joueur Marambi qui a venu Madame Alon qui a joué dans Roche, qui n'a pas payé de transfert et ni de licence. Il s'en est de pour le joueur. Ça veut dire que Washim, votre requête a été nulle et nulle de fait. Merci, je vous remercie. Voilà les questions que je voulais bien m'apporter. Merci. Voilà l'éclaircissement. On rappelle encore que cette équipe de Washim a aligné deux joueurs qui n'ont pas eu droit au transfert. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pris la commission d'organisation n'a pas pris en compte leur requête. Voilà, ballon tendu fortement là-bas par le défenseur de cette formation. Regardez cette équipe qui sort, réduit ce jeu. Ça reste pour Aden. Envoyez là-bas pour trouver. C'est tout, mon petit. Il faut le dire, ça devient compliqué pour cette équipe de Sport Academy si ce garçon s'avéra à libérer cette pelouse. Surtout que l'homme a tout fait de cette attaque. Ce garçon qu'on a vu évoluer ici en deuxième division, ce garçon qu'on a vu évoluer ici avec cette équipe de Mouyouka, Tchekol, lui, en cadre de cette équipe de Ice Ballon, est en train de trouver des stratégies pour pouvoir tamer le pion à cette même formation. Par contre, cette formation avec son coach, lui qui a évolué aujourd'hui du côté de Unisport de Bafan, en première division, aujourd'hui il est devenu gardien de prison, chef man, ce soir à la tête de cette équipe de Sport Academy, il a toutes les armes pour empêcher cette équipe de percer ses défenses. Rapidement, je vais prendre le nom 117 de cette formation de AS Ballon. Et bien, c'est maintenant qui perd ce ballon d'une légérité ou encore d'une faiblesse. Là-bas, plus le temps passe, plus ça devient difficile.
on s'achemine comme ça. À la fin de cette partie, pour se préparer pour les tirs au but. Pas entendu là-bas. Pas entendu là-bas. Avec Atu Kérido, ça trouve quoi l'eau. Pour le latéral de cette formation. Le sport académique qui n'envoie forcément loin de la pelouse. Pour le staff de cette équipe de Aïsvalo se dirige pour aller récupérer ce ballon après le pouvoir. Pour suivre cette rencontre. Donc, l'attente de ses sponsors, pour ses amoureux du ballon rond. Courage. Pour l'ouverture du score de ce côté. Sur les. C'est parti de Tanguy pour venir vivre ce grand moment ici ce soir. 14h, eux aussi ils sont accadés par ce grand code de football. Ils sont là. Bonsoir à vous les gars de Tanguy. Vous qui faites la force aussi de ce championnat quand vous venez vivre ce moment ici. On vous dit merci encore. Quand il y a le petit moment, je crois qu'il faut venir. Encore se recueillir, libérer la tête, y aller quoi. Ballon là-bas, par le nouvel entier en Bali. On est là. Dans cette localité de Manga, pratiquement 2 ans avec cette belle formation de Moussa qu'on a vu évoluer aussi. Il était avant-centre de cette équipe. Il a même aimé ce quartier de Taïga. Il a aimé vivre avec les Taïga. Et aujourd'hui, on le retrouve encore avec AS Valo. C'est un coup franc dans la moitié de cette équipe de Sport Academy. Chef Bat bien déterminé ou encore permet à ces garçons de se repositionner. Aussi, il y a dans le second côté de cette information de AS Valo, lui qui a été aussi une très belle figure de la localité de Manga, parti du côté de Consama. Quel coup de pied, ça, très remarquable ce garçon. Il faut le dire, des parts hautes dans la pelouse. Ces garçons sont des garçons entraînés, c'est des garçons, c'est des compétiteurs. C'est pour ça, l'expérience de ce coach de Djokol, lui sait à quoi s'attendre. Ballon là-bas, tendu par le défenseur de cette formation qui remonte à catastrophe là-bas. Il revient encore en duel, gagne ce duel encore. Il faut le dire, ce garçon, le grand frère est avec cette équipe de Riga, à la personne de Mohamed. Aujourd'hui, le petit frère est avec Sport Academy. C'est une famille de footballeurs, d'ailleurs que le papa même aussi, lui il a voulu cette pelouse. C'est de lui que je parlais, ce garçon très extraordinaire. Ballon sur le répondant de l'intérieur de ce défenseur. Ça reste pour un enjeu signalé par le deuxième assistant de la partie. Rapidement, joue en belle combinaison avec ce garçon, ce technicien. Et dans le bas, ça trouve. Il faut encore apprécier cet habit. On le voit devant toutes les actions.
Moudi. Lui, il a encore les cheveux dans le pied. Ou encore, les pieds sont aptes. La cage est apte. Il est bien gonflé. À son retour, il prend des actions. Mathieu, c'est un central extraordinaire ce soir. Oui, je... Ça compte. Il va gérer. Allons là-bas. C'est le gardien qui récupère ce ballon. C'est lui qui va marquer au premier but. Il s'arrête tout seul dans la moitié.